Likita, na pesi mwasi nyonso, esika ezwa miyo mbote e joyeuse fête de droit de la femme. Oza mamo te kakamapa, oza mamo sala kabilanga, oza mamo sala rabasapat, oza couturière, oza onyonso, ozali esika ezwa miyo, na pesi yo lususu courage, comme je ne cesserai de le dire, femme eza être moko aza vraiment très 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 précieuse pour na biso nyonso, sans la femme, vie ezate. Alors na pesi sous courage, puis sans oublier le brave femme au bazana partie est yambo kanabiso, force à vous, que Dieu soit avec vous, na pesimino lissou sous ba joyeuse fête estika ezwa mibino. Et alors na likita la biso, en tout cas le leza très spécial, vous pouvez voir même le plateau est bien décoré, le plateau est vraiment différent. Alors je suis avec de femmes très intelligentes, je vous signale, je suis avec de femmes très intelligentes avec bangonde tokosa la likita la biso alelo spécial 8 mars, Mama Likitana, ba Maman Misusu Baza Awa sur le plateau. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation de mes invités et au thème, le sujet, au toko débattre nango namokolo yalelo. Alors, pour aujourd'hui, je reçois Maman Solange Mafuta, Azali Bongo, coordonnatrice en charge de la mobilisation et communication de la lutte des femmes des ensembles. Partie chère à Monsieur Moïse Katumbi Tchapwe, Azali Pe Bongo, présidente de l'ASBL Vie Meilleure, à qui j'ai dit déjà bonjour Maman Solange. Bonjour. Joyeuse fête. Je sais pas, mais merci. Ah, ok, ouais, ça commence bien. Ok. Et alors, la deuxième femme que je reçois aujourd'hui, c'est Madame Safika Zadi Yowa. Elle est présidente de la Ligue des femmes du parti PRP, parti cher à l'honorable Jeannette Kabila, à qui j'ai dit aussi bonjour, Maman Jeanne. Bonjour, Maman Safi. Bandeko Mbote Nabiso, Nape Sibino, Longonya Basinyonso, la République démocratique du Congo. Ndeko, bobo sanateke, na poto pe, bazo landa biso. Afrique pe, nyonso, bazo landa biso. Me, bobo sanateke, maladi ezana mboka na biso, na maladi wana COVID-19, to bo sanakolata, maske na biso, ya elamba, oyo ndeko na biso, honorable Jeannette Kabila, asali po, tomi batela, tozo wa maladi te. Ndeko, lelo ezana mokolo na biso, bo landa biso, na bobo to nyonso. Merci beaucoup, merci encore une fois, sensibilisation pour la maladie, il y a beaucoup de COVID-19. Alors, invité dans la moussous, Azali Bongo, Prisca Maniala, elle est ancienne présidente de la REC, présidente nationale de la REC, Aza président Yakala, alors Mandela et Outaki Kosila, mais Aza Pena ONG Naye, et si Kazali présidente, ONG renfort RDC. Bonjour Prisca Maniala, joyeuse fête à toi. Bonjour. Disons célébration, hein. C'est beaucoup mieux que fête. Joyeuse fête et tout ça là. Bon, d'accord, célébration comme tu veux. Bonne commémoration des droits de la femme. Ah, c'est mieux, hein? Oui. D'accord, tu es à l'aise, ça va? Très bien, merci. D'accord. Très bien, je vais passer, je vais continuer avec la présentation. En tout cas, maman qu'on changé, tu es battue le lien à YouTube. Tindela fe muninga, kobomba liate. À ma droite, j'ai la fondatrice de la plateforme Femmes Congolaises. Elle est juriste en formation, c'est une très grande poétesse, je vous assure. Elle s'appelle Léa Kell. Bonjour Léa. Bonjour Nadine. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Merci. Merci à toi. Bon, on a dit c'est les voix. Parfait. Bon, voilà. Bonne journée. Bonne journée à toi. Très bien, comprenez l'ambiance, hein, comprenez l'ambiance. Et puis pour finir, j'ai toujours à ma droite Christelle Ndjiba. Elle est secrétaire exécutif chargée de la communication et de la culture du parti MLC, parti cher. Il y a moi Namboka, Jean-Pierre Mbemba. Beauté Christelle. Joyeuse, on dit quoi? Joyeuse fête, bon, célébration ou... Bon, d'accord, on a les joyeuses. Acceptez ça comme ça. Et on a festé. Voilà, nous allons aborder ces sujets bientôt. Très bien. Alors, l'ONU
a choisi un thème, sans compter notre thème international, notre thème national, allais-je dire. L'ONU a choisi un thème. Alors, le thème qui a été choisi par l'ONU, c'est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. C'est le thème mondial, le thème que l'ONU a choisi, le thème mondial. Et bon, aussi, au biso à na Kinshasa, awa na RDC, toponi bongo elongo na ministère na biso. Thème OESA choisi, Ezali Bongo, l'autonomisation de femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction de risques de catastrophe. C'est autour de ces deux thèmes, Nenaba Maman et Longo, Toko discuter, Toko Lobela. Est-ce que ma thème en haut est à chaque année? Quel est l'apport de chaque thème na Nenyoso? Est-ce que Kotaka vraiment la bongo ya moi si? Est-ce que moi si Azalaka motivé à koye maintenant nous thème yane Oeza Nini? Est-ce que moi si a tchaka penat à la taka thème wana na moté ma tope na moutou pour na ko lutter, ko appliquer thème wana vraiment? Et alors c'est avec nos mamans, ne toko sa la likita na biso yalelo. Maman Solange, je commence par vous. Na bandi oyo ki bongo thème o na muti koloba d'abord national pour ne pas parler na thème international. O biso toponi awa. Est-ce que thème wana ezo inspiré yo? Est-ce que thème wana cette est-ce que oza d'abord motivé nan nyako e banan nou thème? Onga na mitu na Congo eza na kati oné. Na na proposera ba thème wana. Pourquoi ma proposer à thème, les tibisso na Congo pour te proposer ma thème où ils ont concerné biso un peu plus. L'année passée ils avaient qui numérique et tout ça, tout. En fait, pour nanga, on dirait ONU à ça la en sorte que tobe t'as jamais ma solo ils ont concerné beaucoup la biso. Tobe t'as jamais ma solo, bah problème la biso moko toujours traversé la. Non mais l'ONU y est pour ni thème où ils ont. Dans le pays, Nathalie, dans Internet, dans le pays, nous sommes sur le sujet où ils sont concernés, la difficulté au bazar de la maman. Mais si on a Congo, on aura toujours un complexe où on a que l'ONU et lobby, bon voilà, autonomisation de la fille, de la femme. Est-ce qu'il y a des femmes autonomisées ici au Congo? Okay. Pour moi, la femme congolaise. Quand on a joué par le climat, c'est vrai. C'est vrai que le climat, ils ont touché Bissonnette dans la matadi qui bat là. Voilà. Ils ont le réchauffement climatique, ils ont ça que maman boule et bon. Et l'organisation du pays aussi qui est bancale. Donc, et ça dit que maman va se retrouver dans la situation. Voilà. Sécheresse, ils ont ça que Bilo Kouaroulier, ils ont matatalo, agriculture, ils ont côté cassoussouté parce que Boka, ils ont se réchauffé, mais tout ça responsable d'un côté. Bissot, tout ça responsable d'un côté. Au contraire, Bissot, quand tu es au Congo, grâce à la Bissot, les mondes, ils ont continué à coexister parce que tu as deuxième poumon mondial. Alors pourquoi nous, on ne proposerait pas une fois à l'ONU des sujets qui nous concernent? Pourquoi on ne parlerait pas dans notre pays, pour une fois, des situations, des problèmes que nous avons, des viols à l'Est? On a eu à parler de l'égalité, on a eu à parler quelle égalité? L'égalité de qui et de qui? Comment est-ce qu'on peut être égaux? Moi, ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Qui définit cette égalité-là? Oza Mobali, Oza Mwasibo, Oza Ego, Netinandengelini. D'égalité, par exemple, on a lieu à travail, l'égalité des salaires, l'égalité des considérations, l'égalité des respects, je peux entendre ça, mais quand on dit égalité des sexes comme ça, je pense que dans ce pays, il est temps qu'on commence un peu à traiter les sujets vers la base. Qu'est-ce qu'on veut les femmes? Les femmes congolaises, pas les femmes du monde parce que ça ne m'intéresse pas, les femmes congolaises veulent quoi? À partir de là, on commence à développer des sujets qui nous concernent, on commence à s'asseoir et à discuter. Mais se coller comme ça des thèmes du monde parce que l'ONU a décidé... Je trouve que ça n'a pas de sens. Maman Sifa Kazadi, thème Oyo, thème national, est-ce que ça a inspiré ou on a quelque chose? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, dès qu'on a vu ça, on a mis ici des thèmes qui sont très importants. On a vu ça. Non seulement on a vu ça, mais. Mikili Mibimba. On a vu ça. On a vu ça. On a vu ça. Thème yango ezali égalité des sexes, c'est vrai. Égalité des sexes. Thème mondial. Oh, c'est thème mondial, hein. Bon, on a lutte nabiso contre changement climatique, c'est très important. Vous savez, ceux qui osent parcourir, parce que na sala kamingi, ba province, musala nanga bilanga, ndisi boyebi. Na musala nanga ndenge na sala laka bilanga. Mais je crois que na bandela ndenge na sale la bilanga na ndenge to sala po na risque ya ba catastrophe to po na changement climatique ndeko c'est vrai
ce qui au côté na kati musala nanga ona salaka bilanga ya masangu jikaka 981 jikaka eza ndeko na biso masangu asangu jikaka okay. 981 jikaka elakisi notre président honoraire Joseph Kabange yende muntu asalaka ke masangu wana asala poto kende wapi poto longwa na ba situation toza nango difficile ya kosala nini kozana ba dépendance kolongwa na pauvreté 981 eza scientifique na lona ka masangu wana pena la kisaka ndenge nini ya kolona masangu wana ndeko na ndenge tozali na ndenge masangu spécial ou bien eza masangu eza masangu ka masangu oyo mona wala kisabino nanani eza mbuma ya masangu semence oui. La semence jikaka 981. Minomoro bato jikaka ndebo créer yango. Non, s'il vous plaît, okay. Madame, on ne peut pas créer ça. C'est une semence. Ah, d'accord. Si okay. vous voulez avoir de la farine de maïs, il faut une semence. Justement. Oui, mais cette semence, nous... Elle est différente. Elle est, c'est une semence. Mm. Je vais vous dire ceci. La semence, on n'avait pas une semence à nous, sauf la semence du Kasaï, que les Belges nous avaient laissé depuis des siècles. Okay. Maintenant, lui s'est dit, chaque fois, on doit commencer à importer la semence, autant qu'on ait notre semence locale. Et voilà, on est parti de la semence locale pour améliorer d'accord. et avoir une semence au lieu de commencer à faire quoi? Importer la semence. Et cette semence a été adaptée à notre environnement. Okay. Voilà. Yango tosalaka, tosalaka, na ba intérieur comme ça, muntu nyonso. C'est gratuit la semence à pesi na congolais nyonso. Gratuitement, mais procédure à suivre. Donc, vous pensez que le thème vous va par rapport à ce que vous faites? Oui, par rapport à ça, oui, très bien. Et même, vous savez, changement climatique. Parce que ce que l'on dit, Masangu, c'est ce qu'on a dit. Bon, il y a un réchauffement climatique, il y a un réchauffement climatique, il y a l'heure où il y a un réchauffement climatique, il y a un réchauffement climatique. Ce qui est là, tozo kata kaka tozo kata bazo kata bazo sala nini bazo kende bazo sala makala na makala wana zo sala nini nde bango zo monake eza richesse omoni carbonisation richesse ozo sala makala mais dans l'entretemps réchauffement climatique ezo ya na koya wana soki réchauffement climatique eleki to sala nini to kokufa okay. oxygène ko sala te mais toza quand même na nde ko na biso qui a été aussi prévoyante hein avec Kinga Kati maman Olive Lembe Basalinine, ils ont créé quoi? Ils ont créé le parc. Oui. Vous voyez le parc qui est là? C'est au moins 14 000 hectares. Ils ont, là, par nous contre, sommes, là, nous sommes, jusque-là, nous sommes juste dans le thème national. On est dans le thème national. Le thème national, c'est le risque de catastrophe. Okay. Et la catastrophe qui vient, c'est quoi? Lutter contre les changements climatiques. Et maintenant, avec les 14 000 hectares là, vous savez ce que ça fait? Ça nous produit quoi? Ça nous produit l'oxygène. Et oxygène wana et kendaka. Ça part un peu partout. Pourquoi batu babi makanakati abandaku na babutu? Oh, mulungwe moyen qu'on respire exacte. Il n'y a pas d'oxygène. Est-ce que la minute au moins la moisse azan a posa pendant la makambouana? Oui! Est-ce que moi la moisse azan a posa makambouana? Oui! Azan a posa dans quel sens? Bisonyonso, il faut toyeba, on doit contribuer. On doit contribuer quoi? À la lutte contre les changements climatiques. Ce qui est au sali en goté, maman, c'est vrai, on dit qu'on a des forêts, il y a, nous avons des forêts, le pays le plus grand, oui, mais on est en train de détruire. Parce que on ne reboise pas. Mais quand on ne reboise pas, on va s'attendre à quoi? On okay. s'attend à quoi? Je vais revenir donc, vers vous, maman Safi. On ne reboise pas, on va s'attendre à quoi? Je reviens on à s'a... vous, maman Safi. Oui. Je vais revenir, je vais revenir à vous. Je donne aussi la parole à madame Prisca. Prisca, quelle est votre compréhension par rapport au thème national? En tout cas, moi, pour ma part, je trouve que ce thème, ça a toute sa place. Vous allez m'excuser, j'ai un très mauvais lingala. Je suis obligée de parler en lingala. Bon, non. Je sens toi à l'aise. Merci. Donc, pour ne pas scandaliser nos téléspectateurs, hein, je vais parler en français. Donc, au fait, ce thème est d'une importance dans la mesure où moi je trouve qu'elle invite les jeunes à s'investir,
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et la vérité, d'une part, c'est qu'il n'y a pas... il y a beaucoup de défis en RDC. On va l'admettre, comme Solange l'a dit, il y a beaucoup de défis en RDC, il y a beaucoup de défis principalement en Afrique. Et lutter contre le réchauffement climatique peut ne pas sembler être prioritaire, mais ça reste une priorité dans la mesure où il faut que les femmes puissent s'impliquer dans les questions de l'heure qui n'intéressent pas seulement la RDC, mais aussi le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a nos forêts, on est le poumon de l'humanité avec l'oxygène que nous pouvons dégager, mais en même temps, il y a beaucoup de violations de ce climat-là qui sont en train de se faire à travers le pays. Il y a des arbres qui sont coupés tous les jours, qui sont abattus pour emmener, être vendus dans d'autres pays où ils vont produire du bois, ils vont produire des meubles qu'on nous ramène encore, hein. On vend avec nos bois et qu'on ramène. C'est vrai que ce n'est pas un sujet de l'heure, comme vous venez de le dire. D'après vous, sujet de l'heure, il fallait peut-être pas... Non, ce que je dis, c'est que c'est un sujet de l'heure, okay, au niveau mondial, okay, mais que ce n'est pas parmi première priorité, au fait, okay, qui concerne la femme en RDC. C'est au fait ce que je veux dire. Parce que comme je le disais, il y a des arbres, des troncs d'arbres que tous les jours, mm-hmm, dans notre forêt équatoriale, dans nos forêts, nos petites savanes et tout, que l'on est en train de déboiser en désordre, que l'on revend. Et comme au fur et à mesure où on y va, la vérité, c'est que la majorité des personnes qui sont dans ce... Ce sont des hommes, okay, et ce ne sont malheureusement pas des femmes. Quand on y trouve des femmes, c'est que les femmes font partie d'une caste ou d'une famille qui s'en occupe, au fait. Mais en règle générale, ce sont les hommes. Alors moi, je crois que si on invite les femmes à lutter contre les réchauffements climatiques, alors les risques plutôt du réchauffement climatique et ce qui implique parfois les catastrophes naturelles, c'est... On veut les postes de prise de décision, n'est-ce pas? Mais en plus des postes de prise de décision, je pense qu'il y a des femmes qui devraient se lever aussi pour dire « Moi, je vais être une géante dans l'agriculture, dans les mines, ainsi de suite. » Et même, il faudrait qu'il y ait des femmes demain qui puissent avoir comme propriété 500 hectares, 1000 hectares, 10 000 hectares. Très bien. Pour qu'elles puissent, par exemple, consacrer, elle dit « Non, moi, mes terres, je construis des bois, je construis des arbres qui vont rester là, qui ne seront pas coupés, essentiellement pour que cela puisse produire de l'oxygène à l'humanité. » Et là, madame, sera au fait un engagement de la femme congolaise. Okay. Mais au-delà de ça, nous savons qu'il y a bien plus de priorités que l'on devait toujours évoquer. Très bien. Madame Léa, à vous la parole. On a eu le thème Wana, c'est bien choisi. À la place, il fallait thème Soussou. Il ne fallait pas parler des enjeux climatiques parce que ce n'est pas important. Quelle est ta pensée? Au fait, pour moi, je trouve qu'en gros, le thème, il est bon, mais seulement, il n'est pas adapté à notre situation actuelle. Okay. La femme congolaise a beaucoup d'autres problèmes, mm-hmm, notamment, surtout avec la jeune fille. Il y a un problème d'instruction. Et je pense que avec une journée comme celle-ci, il fallait un sujet qui est vraiment adapté à la situation actuelle de la femme congolaise. On peut bien développer ce sujet, mais peut-être pour d'autres occasions. Mais je pense qu'il faut vraiment analyser c'est quoi le problème exact de la femme congolaise et trouver un thème qui va avec, en fait. Par exemple, si on vous demandait de proposer un thème, par exemple. Peut-être, par exemple, l'autonomisation de la femme. C'est vrai qu'on en parle déjà de trop, mm-hmm, mais peut-être insister encore beaucoup plus, surtout en ce qui concerne la jeune fille. Ok. Parce que là, vraiment, c'est un problème avec nos jeunes sœurs qui viennent. Il faut vraiment les instruire et les apprendre à être vraiment indépendantes. Ok. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. Il fallait l'orienter dans ce sens-là. Ah, d'accord. Maman Christelle, pour clôturer avec cette première question, quel est votre avis par rapport au thème national? Je pense que le thème est bien choisi parce que la femme, tout comme l'homme, est victime face à la crise du changement climatique, déjà, parce que la majorité de femmes dépendent plus de ressources naturelles, de l'agriculture. Dans notre pays, la majorité de femmes vivent grâce à l'agriculture et nourrissent leur famille grâce à cela. Et pour cela, la femme doit être informée, sensibilisée sur le changement climatique qui pourrait avoir un impact
non négligeable sur, sur la, l'agriculture. Ok, merci beaucoup. Maman Solange, je reviens à vous. Chaque année, ça fait plus de 10 ans, on ne fait que changer de thème. On ne fait que changer de thème. On ne fait pas d'évaluation par rapport aux justement, thèmes, oui. Rien du tout. On ne fait pas d'évaluation. En fait, on donne des thèmes, comme tu venais de le dire. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la femme a recommandé à niveau moko to fandika bo so thème yane o esile le kinango o wana pe yane mususu pe ye? Qu'est-ce qu'il faut faire normalement la journée il y a 8 mars. Il fallait d'abord faire quoi? Fallait faire quoi exactement? Pour moi personnellement, je pense que moi si il fallait la femme congolaise, hein, je parle vraiment bien de la femme congolaise, elle devait se sentir concernée vraiment par cette journée. Parce que pour beaucoup de femmes, c'est la journée du pagne. Hein? Mmh. Il y a les journées liputate, il faut liputa absolument. Mmh. C'est la journée du pagne. Or derrière cette date du 8 mars, il y a eu un combat. Il y a eu des arrestations, il y a eu des pleurs, il y a eu plein de gens. Et en plus, tant que ça, Babi Tumbala, en 1917, c'était encore la guerre mondiale. Mm-hmm. Mais les femmes se sont levées pour dire on veut la paix, on veut le pain. Okay. Donc, il ne faut pas. On dirait qu'on minimisera le combat. Mm-hmm. Qui va dire qu'il faut. On réduit le combat. On réduit le combat, voilà. C'est la fête du pain ou c'est la fête de la femme. Ce n'est pas la fête de la femme, ce n'est pas la fête des mères. C'est la journée internationale des droits des femmes. Mm. Ça veut dire que bah kolonango y en a le biso to s'approprier date on a été. Bon bah kolonango les lobes ça a conférence. Biso to zwa ka date on a pour babi monde entier, ils ont célébré droit à moi si alors biso to zwa yango pe ka. Bah kolonango on va se cater le 8. Bah kolonango on va se cater le 8. Bah kolonango les lobes bazo ça la ba conférence. Bazo ta la qu'est-ce qui n'a pas été l'année passée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'année prochaine? Bah kolon makambo yo. Jamais bako sala ke baso mbali pou ta basa la fête lo soirée pour tobina parce que zam kolo ya droit des femmes. Par rapport il y a sujet, je pense qu'on s'est un peu mal comprise. C'est pas que c'est un mauvais sujet. Est-ce que le Congo tous en a droit à l'échec carbone? Bah milliards. Donc ça veut dire que si on veut parler du réchauffement climatique, de la responsabilité des femmes par rapport à ça, faut pas mettre ma sola mbongo. Il y a des gens qui prennent cet argent. Okay. C'est avec cet argent-là qu'on va reboiser. Ce n'est pas à nous ici de commencer à planter des massangou, comme maman dit, de planter des trucs. Mm-hmm. Ou d'aller surveiller la forêt équatoriale, parce que la forêt équatoriale, ce n'est pas nous qui avons planté. Mm-hmm. La nature a fait les choses. Quand vous coupez l'autre pouce, c'est comme ça. Il faut s'approprier de nos problèmes. Okay. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est un autre problème qui nous concerne. Le 8 mars, c'est quoi notre vrai problème? C'est notre vrai problème pour Nanga, c'est la paix. Parce que la paix, c'est la base du développement. Mmh. La paix, c'est ça qui permet la créativité, qui permet qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse développer, qu'on puisse parler de ce qu'on est en train de parler. Sans la paix, est-ce que tu as la paix? Parce que tu as qui chasse ça? Bah, maman, la biche à qui vous parle au banin? Bah, maman, la bandoune, bah, au banin? Bah, maman, la kassaï, bah, au banin? Ce pays va mal. Nous avons nos priorités. Pour moi, il faut qu'on s'assoie autour d'une table et parler de paix. Alors que Uganda est awa, alors que Rwanda est awa, alors que soit on est des folles, soit on est des toza batamaboma. Et les gens même qui ont permis ça, qui ont commencé ça, netiba Kabila, oba vendi sa peuple congolais nzala pendant 18 ans. Balia malongate, ce sont les mêmes personnes qui reviennent avec des projets, on dirait Botamisika. Voilà, donc c'est par rapport à ça, c'est un sujet, c'est vrai que c'est un bon sujet, mais il faut qu'on l'aborde d'une autre manière. D'accord, très bien. Maman Safi, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse chaque le 8 mars? Et là, on dit, oh, il fallait pour na yo maman, tel le lobby, ah, chaque le 8 mars, au lié, maman, bala, ta maman, pour ta bonne, mais il fallait t'en sous, c'est un exemple que je l'ai fait, chaque le 8 mars, une église, Kosambi, là, par exemple. D'après vous, le 8 mars, il fallait à la nengeni. Bon, dès qu'on a vu ça, maman journaliste, nakanisi, osa nationaliste. Awa au lobby to salami, okanisi ke mboka Congo, yango mongo ekote le makaka boye biso basi soki to lobby, awa thème oyo to lobby réchauffement climatique. Et puis, tout à la réalité, tout à la réalité, tout à la réalité. Justement.
mboka na biso biso basi nanu tozala kandengini opesi mbote baboyi mbote na yo est-ce que déjà na départ wana tolinga na kate hein? Là c'est le premier point pour réussir le Congo et kendeliboso toloba mingite il faut faire quoi action terrain travailler. Maman, tant qu'on ne travaille pas, on ne se lève pas, on ne se met pas ensemble, unité nationale, on le dit, mboka nangai, yozo tala mtoaza na Rwanda, zana nani azo sala. Mais il faut travailler. Au telemi, on le dit, il faut na sala. Oui, baza uni, non seulement uni, conscience. Maman, conscience. Hein, on est dans l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence, la dépendance. Ozo zelaba yaba kabila yo mbongo. Quand yo moko na mboka na yo zana mbongo. Mbongo to zana ngo ebele. Maman, ce qui est telemite po sala musala, oko zwate. Okay. Il faut sala musala. Donc c'est ce qu'il nous faut pour. Oui, il faut ko sala musala. Kabila, il a travaillé. J'ai beaucoup de respect pour lui. Biso moko to za où nous sommes dans la distraction totale. Okay. Distraction totale. Une femme doit se lever, elle doit travailler. Ici, on a dit l'autonomisation de la femme. Autonomisation de la femme, il y a un peu de la magie. Non? Ça s'arrache. Ça s'arrache, il faut travailler. Pour qu'on ait un bon Congo bien, il faut travailler. Maman, tellement, salam moussala, réchauffement climatique, c'est vrai, on a des forêts. Les forêts, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aux Okata, nani a koya kolone la yo? Nani? Yo mon kolona, reconstitue les forêts. Maman, tu reconstitues ma forêt? Na ko reconstituer forêt kolobatero kende yo moko soko tuni bande ko na biso congolais tu as combien d'hectares il va t'impressionner j'ai 1000 hectares j'ai 1000 hectares wana tu vas exploiter ça yo moko non c'est quoi l'unité nationale il faut to lingana oye bamboka na yo yo moko telema poser la tête mundele ou bien mtu fulani aya kabela yo mbongo luka mbongo ezana mboka na yo awa on a des millions maman soki olobike ozwa mbongo okozwa mbongo maïs variété jusqu'à 981, akabi yango ya ofele. Ceux qui ont zana makasi ya okendeko, sala bilanga, sala. Ceux qui ont sali bilanga, balobi teke, ceux qui ont zokaba, ceux qui ont zana makasi ya okende bilanga te. Tika, vanda kimia, sala ya yo. Très bien. Mboka na biso kaka kofinga na komikiti sa. Le 8 mars, il fait normalement tozala na unité. Unité, maman, to lingana, yo pesi ya yo. Négativité, yo tozo sale, zo salanine, zo détruire biso. Mon tout ennemi a koya kokota na kati. On a un très grand pays. Vous avez dit que vous avez réuni les femmes intelligentes. L'intelligente en parlait ou bien en action? Il faut action. Token de kosala, kolobate. Faire action. O telemi o lobby, oui. Voilà, j'ai mes champs. Voilà bato on a formé. Leader. O formé batouboni. Na formé batouboni. O bimisi bango mama toza na batou oyo. Na kanisi jour mon sou na koya na lakisa batou. Bazala qui n'a rien parti du néant. Aujourd'hui, ce que Batelemi n'a bamboka, n'a katia bamboka. Mais ils savent faire les champs. Bayebi ko reboiser. Reboisement, autonomisation, maman, outi koloba, awa, isa autonomisation anime. Quand vous avez, vous reconstituez les forêts, boloni, bokati, banzite, boteki, makala, boloni, lissous. Élevage d'abeilles. Abeilles, enani, miel, eko, bimakoun, ezan, bongote. On a les arbres à chenilles. Toloni, banzite, aba chenilles. Nakani si soki otali na mboka na biso na ba marché cheni ezanga ka lisusu te ata masango na masango toute l'année vrai faux ezalaka très bien Priska Maniala qu'est-ce que vous en dites pour le mkola le 8 mars ya lelo il fallait normalement ezala nengenin d'après yo il fallait ba sala nini à la place ya pour sala onyo so que le genre d'autres femmes appellent ça distraction il fallait ba sala nini quelle est ton idée bon personnellement moi en tant que nationale des étudiants, je crois qu'il faudrait toujours se concentrer sur l'éducation de la jeune fille, premièrement, parce qu'on peut le voir, hein, premièrement, les jeunes filles ne sont pas suffisamment éduquées. Bon, les femmes d'abord en général, hein, le genre féminin en général en RDC, éducation isaïe à kokokate. Et même le peu oyoba kendaka na classe, comment on a que rendement. Et Zandeng est mon côté avec son collègue ou son condisciple garçon. Pourquoi? Parce que Yeshoka Zongi, il faut à Sukola Bilamba, à Kende Benze, à Laba,
à le temps alia basile sur ce qu'on a la scène fois ce qu'on a les sous basani. Après, ce n'est qu'après que peut-être qu'elle pourra faire ses devoirs. Elle est déjà fatiguée. Elle n'a pas le temps de réviser. Demain, quand elle part à l'école, elle est bourrique. Elle est même fatiguée, voire même. Tout ça là. Donc, je pense que l'accent devrait être mis sur l'éducation des femmes. Pour Naba Oyo, qui, si celles qui sont en âge d'aller à l'école, elles doivent aller à l'école. Celles qui ont raté et dépassé l'âge de l'école, elles doivent être alphabétisées. Okay. Vous voyez un peu? C'est ça, au fait, le premier, le départ des départs. Parce que je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas étudié à reprendre un jeu à réchauffement climatique. Okay. C'est pas possible. Moutou a tanguité. Moutou a tanguité. Pas pour expliquer les lotis lobbies. Pourquoi on en a été? Pourquoi? Parce que n'a pas eu, par exemple, le cours d'histoire. A eu cours à géographie, hydrographie a eu bien impact dans côté. La forêt, c'est même pas si c'est quoi. Comment est-ce que Moutouya Bongo a qui peut comprendre peut à s'impliquer pleinement ce qui a eu information t et ce qui cultive au fait le désir de l'information, c'est l'éducation. C'est lorsqu'on a eu accès à l'école, à l'université, et aussi j'allais rajouter, il faut que dès le bas âge, on puisse inculquer à la jeune fille cette pensée d'autonomie. Okay. Parce que c'est quand même elle va à l'école, mais à l'école c'est quoi les phrases typiques du professeur de français quand on veut lire « Jeanne va au marché, Jean joue au ballon ». Même ça, indirectement, ça conditionne l'élève fille à se dire que, ok, ma place c'est à la cuisine, la place du garçon c'est les loisirs. Et on a vu il y a quelques années. Par un simple exemple. Par un simple exemple. Et on a vu des années dernières plutôt, les femmes se lever en France pour que toutes ces phrases-là puissent être enlevées des livres de français. Donc ce sont des points qui sont importants. On ne devrait pas négliger l'éducation de la jeune fille et pendant. Et tu dis, on doit lui apprendre que Jeanne a fabriqué un vaisseau spatial, Martha a gagné au championnat du monde de football, que l'on puisse inculquer à la jeune fille que toi et ton frère, vous êtes égaux. Okay. En termes de droits, vous êtes aussi égaux en termes de devoirs face à la société. Parce que si on nous donne des droits égaux, on a des compétences égales. On a des responsabilités égales par rapport à la société. Donc, c'est essentiellement sur ça qu'on devrait se concentrer. Je suis d'accord avec toi. Maman Léa, pour Nayo, journée le 8 mars, il fallait à la Nengeni. Pour Nanga, bon, excusez-moi. Il fallait à la concevoir et à la conçue Nengeni. Pour Nanga, je trouve que le 8 mars, il fallait que ce soit comme c'est fait aujourd'hui, par exemple, mais avec peut-être beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de monde et essentiellement constitué de la jeune fille, comme Madame Prisquela a dit, c'est vraiment le grand problème de notre pays, c'est que la jeune fille, elle n'est pas instruite. Généralement, on la prépare au mariage. On la prépare pas à être une femme indépendante financièrement, professionnellement. Donc, elle se dit, ben, ok, c'est vrai qu'on remarque que de nos jours, il y a plusieurs femmes qui vont à l'école. Mais après l'école, la plupart, elles deviennent oisives, si je peux le dire. Elles ne font plus rien, en fait. Elles sont pas épanouies dans leur vie sociale. Et je pense que ça, c'est vraiment un problème de notre pays. Donc, je me dis que des journées comme des 8 mars, comme ça, on doit peut-être organiser des ateliers d'échange, des ateliers de formation où on sensibilise beaucoup plus la jeune fille. Et la veille de chaque 8 mars, il serait préférable qu'il y ait, comment je peux les dire, des quoi? Comment je peux dire? Des forums, voilà, par exemple. Et puis qu'on puisse faire un bilan, en fait, par rapport aux années précédentes, qu'on se dise, ben voilà, l'année passée, il y a eu tel thème. Est-ce qu'ils ont d'abord le temps de faire ce genre de bilan? Justement, c'est ça le problème, en fait, parce que chaque année. On passe de thème en thème sans résolution. Voilà, il n'y a vraiment pas de résolution, il n'y a pas de changement. Et l'année prochaine, on va encore apporter un autre thème. Je ne sais pas, peut-être que ça ira dans le sens de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc. ça peut aussi bien. Ça va dans le sens de ce qui les intéresse. Oui. Parce que là, quand on parle de réchauffement climatique, il y a des femmes, elles ne connaissent même pas le thème de l'année. Comme en venant, j'ai vu qu'il y avait Mars de santé. Les 8 mars, Mars de santé. Voilà, et ce n'est pas intéressant. Je pense qu'on doit vraiment revoir les choses, surtout la jeune fille, vraiment éduquer la jeune fille. Ok, très bien. Maman Christelle, pour Nayo, les 8 mars, il fallait réfléchir autour, il y a thème mini.
Quelle est ton idée? Déjà, thème est bien choisi. Seulement, pour la journée, je pense qu'il fallait sensibiliser la femme. Mm-hmm. Prisca venait de le dire. Alors, il faut miser sur l'éducation de la femme et surtout de la jeune fille. Parce que il faut, moi, si Azala n'a pas connaissance sur ma cause des eaux produits, réchauffement climatique, changement climatique. Donc, voilà. Azala n'a pas connaissance, honnête, et ça sera pour elle très difficile de s'impliquer. Exactement. Alors, moi, si il faut aller pour pouvoir apporter aussi des solutions durables. Par exemple, par rapport à la pratique, il y a Ruka Tabanzete et tout, question, brille ces arbres. Et couper ça et mettre un cabas gaz à effet de serre. Alors, il y a danger pour l'environnement. Ce qui est bon, c'est de réduire la pratique wana, et puis et ça, là, que... Par exemple, ce qui va passer qui on est malo, Baba Ebisio, Madame Christelle, proposer ce thème pour l'année haut. Thème, naro. Thème haut, Monique, ça peut aider et toucher directement la jeune fille. Quoi. Elle est d'accord avec le thème. Je suis d'accord avec le thème, merci beaucoup. Ah d'accord, ok. Vous êtes d'accord. Il y a quelques personnes qui ne sont pas d'accord. Ah d'accord, ok. Je suis d'accord aussi avec toi, voilà. Ok, je reviens vers vous, maman Solange. Est-ce que vous savez que à peine jusque-là, on n'a que 15 ou même 12% de femmes qui sont dans le ministère, institution, que ce soit provincial ou national. Est-ce qu'il ne fallait peut-être pas essayer de promouvoir la femme dans ce sens? Et c'est un peu hérotel, à moins si elle a peut-être la majoritaire, par exemple, dans le parlement, par exemple, dans le ministère, par exemple, dans la place à décision. Il ne fallait pas peut-être commencer à promouvoir dans ce sens-là? On le fait en tout cas dans l'ensemble, puisque déjà, vraiment présent, puisque déjà, à Zamouta Parité. Les femmes ont des postes à responsabilité de haut en bas. Donc, là, depuis la malade ensemble, j'ai toujours eu des postes à responsabilité. J'étais conseillère. Et puis, voilà, maintenant, je suis coordonnatrice. Donc, na samba la haute. Et à chaque fois, si tu as 40 personnes, tu auras 20-20. Si tu as surtout, en tout cas, tu auras 10-20. En tout cas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ça, ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est après. Basi avant tout bundela avant tout bunda na nous pona maman basi ngana mona ngo naza quand même responsable ba maman naza ba maman ebele na simalangai ba maman baza na difficulté à exprimer ba ambition na bango au niveau politique. Je peux les comprendre parce que quand on voit la politique comment elle est menée aujourd'hui par les hommes qui volent, qui détournent et tout ça et qui laissent des gens affamés pendant des décennies, c'est tout à fait normal qu'il y a beaucoup de femmes politiques à genre on est intéressé à bango ti. Alors maintenant il faut repayer sa basi pour sa pète. Pour ça, il y a Rokota, il y a Eloko, il y a Ponako. Pourquoi faire? Si on est un parti politique, il faut payer ça. Oui, il y a une place où on a encouragé, on a encadré. Oui, effectivement. On a un peu, par exemple, l'expérience dans la personnelle, Nazaki candidate, na linga qui absolument dans la suppléante, il y a moi aussi, Aboya. Na kuta na mama moko boye leader penza na village en tout cas enseignante mais batu balandaki vraiment na esengaye na sola na habite c'est pas mieux sola na mbali na ngai. OK. Donc on a il y a aussi il y a le poids des cultures. Il y a le poids des cultures. OK na ma province me soubasi balobate. Na uti Congo central j'étais étonné. Na ni na ba rassemblement na biso ya parti basi sur 500 personnes peut-être 20 femmes. Basi bazate, basi bazo, bango moko bazo s'exprimer. Même moi-même aussi j'ai du mal, c'est vrai que l'Ikita absolument est conçu pour promouvoir la femme, mais basi, pour moi si elle est cas, c'est moko, tout à fait un problème. Moi si, demain à moi si ma kamususu, même que quand tu as la partie cause juste qu'on soit carte à membre, bah mon on était engagement moko bonnet ngambo moko boyé les femmes ont peur de s'engager dans la politique. Or si tu ne t'impliques pas dans la politique, politique sont occupés entièrement qui parlent. Depuis Botamati, jusqu'au Kundama, équipés, pris à sa patte au latéza politique, pris à l'ipolia kaiza politique. Donc il faut qu'on soit nombreuses, justement, pour mettre la pression pour tous à la kebato, pas des femmes qui marchent seulement pour dire voilà, les femmes égalité, des femmes, ceux qui parité, ceux qui de toutes les façons, c'est une histoire de parité aussi. Là, on a un foutaise parce que parité, ça veut dire part égale. Okay. Donc c'est pourquoi parité de 30-70, est-ce que ça a un sens. Dans leur mot, ma maman n'a mis tout naka. Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce que les femmes qui nous représentent à l'Assemblée nationale réfléchissent? Est-ce qu'elles sont conscientes de leur rôle? Et c'est comme ça. Namo nara flou wana artistique wana yango yoto sala ketozo kendeka ka bongo 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 bongo. Les femmes, on veut bien, on va mettre 50% de femmes. Quelles femmes? C'est ça.
il faut qu'elles se manifestent. Mmh. Je ne dis pas qu'il y a des femmes compétentes qui n'existent pas. Il y a énormément de femmes on a coûté en abonnement qui n'a pas les nabis. Oh mmh. Nous, c'est où tu l'as cerveau oh, mmh. Mais elles ne veulent pas se manifester. Mais dans la politique, ça ne les intéresse pas parce que ça veut dire qu'il faut aller travailler avec ces voleurs-là. Mm-hmm. C'est ça. Donc elles préfèrent rester. Et puis, bah, organismes internationaux, on a Nazakana, Bango, Nayok, Nalistepelarana, Makamuna, Bango, Teba, Oni, Banani, tout ça là qui viennent. Voilà. Il faut que former les femmes. Mm-hmm. Ça, bah, c'est toi la formation. Mais yo, ça a des choses à cadre. Et à la formation, autonomisation. Yo, cadre, parce qu'autonomiser, pour comment expliquer le point, on va comprendre. En formation politique. Donc, les hommes dans ce pays ont le droit de ne pas savoir écrire et de diriger, d'être, d'avoir le cerveau vide et de diriger. Mais les femmes, donc, pouvoir, elles ont un diplôme. Il ne faut pas former, on va former, on va réformer. J'ai des mamans dans le parti qui ont plus de 60 ans. Donc, à mon son, dans le documentaire, il y a 30 ans, la moni maman a 4 ans. Non, il y a été. Autre que dans la formation, on a dit ça, bébé. Si les lois ont la formation, si les lois ont la formation, donc j'ai l'impression que ces organismes font aussi exprès pour distraire les femmes, pour que tous aient la place, tout le temps, alors que les hommes qui sont incompétents sont là en train de diriger, d'organiser des élections où on sait que ce sera la tricherie, d'organiser des choses qui vont nous plonger encore dans la misère, d'organiser des choses, oh, que moi, si à s'en sortir, Ata Moukete, et ça c'est des sujets, je pense qu'il fallait que Bajour Aboué, Basi Bavandi, Tobet Aramasolo, n'a vraiment bien te décider, toi qui parlais du peuple, toi qui parlais du peuple, toi qui parlais du peuple, une vraie décision, parce que la femme c'est la vie. Justement. Faire souffrir, par exemple, on est plus nombreuses que les hommes, donc ça veut dire qu'on fait souffrir plus de 50% de la population, donc ça veut dire. Allez, tous les problèmes qui concernent la femme, c'est un problème national, puisque c'est un problème qui est général. Puisque les impôts n'ont pas été bêlés. Alors, faire souffrir des gens comme ça, je pense qu'à un certain moment, il faut que la femme s'approprie cette date, s'énerve et aille jusque là où les décisions se prennent. Très bien. Aille enfermer tous ces bandits-là et puis tout le monde a des décisions à idée à Sikirobima. Très bien, Maman Solange. Maman Safi, nous ne représentons que 15%. Dans institution provinciale ou nationale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps d'essayer de promouvoir la femme pour akoma na babisika wana? Toti kalaka na bamakamusu. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a aussi autre chose, mais aussi il faut aussi arriver là-bas. Vous ne pensez pas qu'il fallait d'abord promouvoir la femme dans ce sens? Bon, camarade, je crois que moi je dirais ceci. Okay. L'égalité. Égalité, tu m'as dit qu'on s'est mis ça là. Ndenge monko, femme pilote, homme pilote. C'est ça l'égalité d'abord. On a des femmes pilotes, c'est un pari. Mais, et loko yonga na répété li sousou, ndeko, c'est vrai. Conquête du pouvoir, prise de décision, il faut avoir l'argent. Ok. Oui. D'abord, cerveau, tu mets de l'argent d'abord. Ta tête, tu dois travailler. Il ne faut pas dépendre. Il y a quelqu'un. Il faut avoir l'argent. Je dis, demain, je vais au présidentiel. J'ai mon argent. Je pars. Je m'impose. Mais, travailler, esprit de travail. Il faut ezala. Mais, mamie, toi qui es bien, hein? C'est vrai. La femme qui n'a pas étudié, il faut éducation. L'intellectuel, femme intellectuelle. Na Congo na Bissou. Il n'y a pas femme où il y a diminué à ka, dès qu'on a eu moi aussi comme femme intellectuelle. C'est l'éducation, c'est pas l'éducation. Elle a étudié, elle n'a pas étudié. Elle a étudié, elle n'a pas étudié. Yo tala kaka, kota na ba bureau, ota la basi au batanga. Face à face. Est-ce que unité est à la ka? Regarde un peu, toutes les femmes congolaises ici du Congo, intelligentes qu'elles sont, on n'est pas unies. Mais c'est pourquoi on est au bas. D'abord, pour vous, l'éducation, il faut que ça passe après, mais d'abord l'unité. L'unité. Et puis, on me quitte ça. Quand on me quitte ça, raté. On me quitte ça. Maman, moi, je suis un homme, moi, si je suis un homme, je suis un place. Na ye. Yo, parce que je suis un grand car. Je suis un petit homme, allez, petit yaka. Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Bon, sauter. Qu'est-ce qu'on attend? Le Congo est très grand. Mamie, il faut travailler. Esprit à travail, tu as un orgueil. On n'a pas envié les autres. Moi, ce que je vous dis, c'est vrai. On n'a pas envié les autres. Tomi Kitisa, Toloba, Bandeko. Montuna Montu, na domaine naye, asala nandenga bien. Tout se traité nandenga bien. Mais, nabiso soko tani intellectuel, akanisa kandenga za intellectuel et soukeliwana. Non. Et soukeliwana te.
Mais si vous regardez aujourd'hui, Talakaka bien, réalité à solo, Kita, Navil, Otala ba magasin, ba supermarché, ba nini, et puis Otala femme Oyo, Amanda qui kokende déjà, Lelo Azoya, sur le plan commercial. Bazo kende na kotika, pourquoi? Pourquoi? Nous devons être unis. Okay. Nous devons être unis. Cette union-là, toti qui n'a nous bipalé, n'a biso ya ba fier nyonso. N'a kanisi, Ndeko, osa journaliste, omona ka makambo ebele, omona ka ebele. Soyons réalistes lorsque nous quittons ici, sur la rue, vraiment, biso basi. Est-ce qu'il y a solo? Je reviens encore là-dessus. Tolingani penza? Maïa le bisonyon se so, toi tia kaka, et si kamongo to banda kosala moussala, ndenge moko. Na unité wana, na torobi, to mikitisa. Koya ko la kisate ke, yo tangi, okoye ko simba kombote, ah nani boye na kosala te, non je veux pas faire ça. Tu me prends pour qui? Hein? Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Palier ya yo. Merci. Si koye bisonyon se toza nani na escalier, to tika biloko wana. Merci maman Sifa, j'espère que le message est passé. Maman Priska Maniala. Est-ce que tu ne penses pas qu'il fallait peut-être essayer de promouvoir la femme à comme à peine à la prise de décision, à comme à l'institution provinciale ou nationale? Merci. Bon, je vais, là je vais parler beaucoup plus en tant que présidente de Renfort. Renfort, qu'est-ce que ça signifie? C'est le réseau des femmes et des hommes qui sont renouvelés pour la transformation de la RDC. Pourquoi est-ce que je dis des gens, des hommes et des femmes renouvelés? Parce qu'en fait, si on veut un Congo différent demain, en tout cas, il faudrait un autre type d'homme. Il faut qu'on soit d'accord. Sinon, un autre type d'homme et de femme, parce que si c'est les mêmes types d'hommes qu'on a en termes de mental, en termes de culture, en termes d'attitude, en tout cas, c'est que le Congo, on va tout droit vers un gouffre. Alors nous nous battons pour que les jeunes, principalement, puissent apprendre à réfléchir différemment, sortir de la masse, comme on dit, sortir de la foule, et surtout s'assurer de pouvoir faire les choses différemment. Alors, par rapport à ça, j'aimerais dire ceci. Avec Renfort, moi, personnellement, je me bats pour que les jeunes puissent être formés, mais essentiellement à la base. Pourquoi? Parce que depuis que l'on est en train de parler de poste de prise de décision, femme au poste de prise de décision, tout le monde se rêve d'être ministre. Mais il y a combien de membres du gouvernement qu'on doit avoir au maximum? C'est 50. Tout le monde pense qu'il va être DG, mais il y a combien d'entreprises publiques? Il n'y en a pas plus de 50. Si on dit que, ah non, il faut rêver grand, c'est vrai, on va rêver d'être président de la République. Bon, à tour de rôle, on doit vivre combien de millions d'années? Donc, il faudrait que les jeunes, et principalement les jeunes femmes, puissent penser aux instances de prise de décision à la base. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de jeunes femmes qui ont besoin d'être chef de quartier? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des jeunes femmes qui vont se battre, dire non, moi je veux devenir chef de rue. Notre avenue ici, il faut na konza ba tata na ba maman nyonso ba sota la biso awa. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas déjà commencer à diriger et à bien le faire dans une avenue où il y a peut-être 30, 40 ménages, comment pouvons-nous être sûrs que demain on te nomme gouverneur de la ville, tu ne vas pas manquer d'inspiration? Comment est-ce que tu es sûr que si les jeunes femmes aujourd'hui ne peuvent pas apprendre ce qu'on appelle la redevabilité au niveau des comptes, au fait, au niveau des finances? Déjà même, je le dirais, même avec ce que l'on nous donne de fois, pour, supposons, pour faire le marché. Quand tu sais que tu dois faire le marché pour une semaine, comment est-ce que tu gères? Je crois que même c'est de la meilleure façon même qu'on peut s'exercer à gérer une nation. Parce que quand on sait qu'on a 5 milliards, on va travailler en fonction de 5 milliards. Le jour où on a 10 milliards, on va travailler en fonction de 10 milliards. Mais pour ça, il faut que les jeunes femmes puissent s'impliquer à la base. Et moi, je crois que plus on aura des jeunes femmes qui vont
décider de travailler au niveau des quartiers, au niveau des rues, demain au niveau des communes, après demain les districts. Je crois que c'est la meilleure façon que l'on pourra... Oui, mais aussi ce sera la meilleure façon de gonfler, si je peux le dire comme ça, ou augmenter le nombre des femmes dans les postes, dans les instances de prise de décision. Voilà. Alors nous allons souffler un peu. Nous allons souffler un peu avec un élément. C'est un artiste, il m'a appelé, il m'a dit « Maman Likita, Naza Mwanandili, alors... » Pour la moi, Oyo, pour l'année 2022, j'ai dédié mon œuvre à la femme. Pour moi, c'est un berceau de l'humanité. Ça m'a fait du bien. Et alors, nous allons suivre Mwana Mboka, artiste peintre Cédar Ntemo, Mwana Njili. Elle a dédié œuvre Moko ya Kitoko à la femme. Nous suivons et nous revenons juste après. Pour l'occasion de la journée de la femme, journée de ma maman, donc je suis venu à la maison et je suis venu à la maison pour ma maman. Je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Bon, à la maison, je suis venu à la maison la femme est la berceau de l'humanité. Donc la femme est la berceau de l'humanité. Sur le tali, elle est bien aux hommes à moi aussi. À la couronne, à mes mimoines, à mes moines, à mon sautali, à ce qui m'a sous-formé en monde. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, femme, elle a berceau de l'humanité pour moutou nyonso, soka botami. Donc, il faut l'accueillir, nous n'avons pas beaucoup à maman. Dans le monde, à tire, donc maman, à zawana, il aime pas accueillir à Rabissou. Bon, dans le sautali, dans la tissimoisi couronne. Couronne, ils ont un signe d'honneur. Ils ont un signe d'honneur, ils ont un signe de pouvoir, signe de konza. Si vous avez un peu de temps, 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 maman toujours un peu de Veille Nabiso, Zalabo, Zungsabo, Azako, orienté. Maman, sur le a zipi et l'amba, mon amour, on a un signe de protection. De biso, tout ça, tout mon ara, maman, de l'inni, a protégé Rabiso. Le grand salaire, Evre Oyo, pour na baba maman. Donc, Evre Oyo, ils allient vraiment pour na baba maman. Fort Oyo, ils allient pour mini ba flair. Donc, a flair, c'est signe d'amour. Ils allient signe d'amour. Blé ou Eza a symbolisé la paix. Ils ont symbolisé la paix. Donc, ils ont un message qu'ils ont lancé pour notre maman, pour notre femme, nous sommes dans le monde, particulièrement la maman, la maman, la Joséphine. Bon, on a un vrai haut et un message qu'ils ont transmettre par ma maman. Pour moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Le monde est vraiment éduqué. Donc, mais là, tout ça qui est amiqué, c'est que ma maman est un peu plus de temps. Donc, l'éducation est qui agent principal et éducation pour le monde des femmes. Ce qu'on a un monde comme il est le bois, donc femme peut avoir la responsabilité. Donc femme peut faire tellement, à mon anal, ça peut être un des moutazali gardien de l'éducation. Donc c'est une pénale à maman, en tout cas, pour tellement, pour ça, la féminité, la vie de la tépo, mais on a un bassin à l'ouvrage. Et on a dans mon amour, c'est parce qu'on a un cadre de la faiblesse, mais tant que maman, donc femme, F1, c'est déjà fort. Donc, c'est une maman, en tout cas, mon client est en débrouillé. Intervention de Bino, les appels nécessaires. Pour Bino, nous avons dit que Bino, si nous sommes tous les deux, donc, en tout cas, ma maman va s'engager dans ma campagne. Oh, nous sommes tous les deux. Donc, le message est que ma maman, je suis 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 ma maman, je maman, je suis ma maman, je suis ma maman. Si vous avez le bébé, en tant qu'artiste, vous avez dit maman. Parce que maman est une nini. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez
maman Léa. Pour na yo avina o ezandenge nini moi si fallait dans nous ba promouvoir moi si pour na ko atteindre ba niveau ya poste ya prise de décision na ba institution nyonso provinciale tout comme nationale ou bien il fallait d'abord passer à autre chose comme Prisca Maniala l'a dit à peine. Bon, étant que la présidente des femmes congolaises dont l'objectif est d'ailleurs la promotion de la femme. Il y a un problème, c'est vrai qu'on doit promouvoir la femme congolaise, mais quelle femme on va promouvoir? Est-ce qu'elle a vraiment les atouts qu'il faut pour arriver à ces postes-là? Moi, déjà, je pense que des bases, tout tourne autour d'abord de l'éducation de la femme. C'est vrai qu'on va promouvoir, mais quelle femme on va promouvoir? Existe-t-il vraiment des femmes qu'on pourra promouvoir? C'est vrai qu'il y a des femmes qui émergent de nos jours et tout, mais quand on remarque d'ailleurs, on va voir que... Vous pensez que la majorité de femmes... Bon, je peux dire que sur 100%, il y a 40% des femmes qui émergent dans notre pays. Bien que ces femmes ne sont pas mises en avant, déjà. Et je pense qu'il faudrait d'abord faire en sorte que le nombre puisse augmenter, le nombre de femmes qui émergent. Et dans ces cas, on pourra, dans ces cas, promouvoir ces femmes. Parce que la plupart des femmes qui émergent, la majorité ne sont pas connues. Elles sont cachées, en fait. On ne les voit pas dans les télés, on ne les voit pas sur les médias et tout. Et je pense que si ces femmes sont beaucoup plus mises en avant, elles serviront des repères aux générations qui vont venir. Très bien. Et de cette manière-là, on pourra non seulement investir dans cette génération, et par la suite, on pourra les promouvoir. Et parler des institutions, bon, la femme, moi, je me dis qu'elle peut réussir partout. Pas seulement dans la politique. Une maman qui va au marché, si elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille, elle réussit. C'est déjà une réussite. Voilà. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas seulement viser les institutions, mais il faudrait viser tous les domaines de la vie et de la société. D'accord. Très bien, maman Léa. Maman Christelle, quel est ton avis? Est-ce qu'il fallait promouvoir d'abord la jeune femme, comme on a un poste, ou bien il fallait aussi voir autre chose avant de passer par là? Bon, promouvoir la femme n'est pas tout à fait mauvais, mais seulement. Quelle femme promouvoir? Parce que il y a deux femmes, nous représentons plus de la moitié de la population. Alors nous devons être compétentes pour pouvoir prétendre à la représentation que nous voulons. Et cela doit se faire si la majorité de femmes sont conscientes qu'elles sont autant capables que les hommes. D'abord, la politique, c'est les nombres. Si nous sommes nombreuses, nous pouvons... faire passer des idées qui vont aller changer les choses. Oui, qui vont faire changer les choses à notre avantage déjà. Et moi, j'appelle les femmes à s'impliquer beaucoup plus dans la politique et cela va nous aider à aller de l'avant et à être mieux représentées. Très bien. Maman Solange, nous chutons déjà vers la fin, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un petit message particulier à la femme qui te suit présentement là? En tout cas, je vais mon message, bah, je vais dire, dans mes colonnes, le baron Alinga là, ce bazar a toujours na Likamomoko Fanon Aloba, qui est un penseur écrivain africain. Si vous voulez que l'Afrique ressemble à l'Europe, même le dernier des idiots yaba européen en mieux que Moutamayele y a Afrique. Okay. Mais ce bolini que Afrique est un continent encore respecté. Oh, nous t'avons considéré que oh, interlocuteur y a solo. Tous les copieurs, tendance tous la kawana. Sur ton idée Afrique y a bongo. Il faut créer. Il faut, comme maman dit, travailler. Il faut inventer. Il faut innover. Il faut pas avoir peur d'inventer. Bon, ça l'erreur, mais après on a bobanoyé kola, bobano ça là. Il faut pas avoir peur de d'essayer. On est fatigué de copier et mal coller. Donc inventons nos sujets, parlons de problèmes qui nous concernent, inventons des choses, donc mettons en place des paradigmes qui nous conviennent, qui va faire en sorte que, tant on toujours mata, toujours avancer dans haut, c'est nous qui avons fait ce choix-là. Et on va mieux avancer que d'avancer avec des sujets qui ne sont pas les nôtres, avec des idées qui ne sont pas les nôtres, avec les pensées qui ne sont pas les nôtres. Alors c'est ce que je dis à la jeunesse, n'ayez pas peur d'inventer, n'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur de vous exprimer, voilà. Très bien, merci beaucoup. Maman Safi, votre dernier mot, un petit message, bref, à la femme. Message à Souka, Nakolo Baboye. Ndeko, Ponanga, Nako Kende, Nandenge, Honorable Nabiso, Janet Désiré Kabila, Lobela Kabiso, chaque fois. Organisez-vous. Biso Basi, il faut s'organiser. Toti Kabipale. Oh, Kokende Bepay, Kokende Bepay. Non. Maman a outi kolobawa, inventé. Il faut travailler.
ndenge tozalinde ko nazolo belabino biso basi honorable Janet, chaque fois organisez-vous, on s'organise, organisons-nous tokende wap unité wana ezala basi ya Congo. Il n'y a pas de femmes qui ont l'endurance comme la femme congolaise. Nous devons travailler. Qu'est-ce qui nous manque de travailler? Être dans la dépendance d'un autre pays quand nous avons la richesse en face. Mais qu'est-ce que nous recherchons encore de plus? Tout nous avons en main. Mettons-nous ensemble, s'il vous plaît. Tomitia en place. Yo lobi otangi. Kabela mayele na yo. Koyate po oloba. Kopesa mayele na yote. Ozo mikunda déjà. Kopesa mayele na yote. Pourquoi ne pas donner? Yo batangi si yo. L'heure va kende ko tangi si yo. Ba boya ki kopesa yo mayele wana. Non. Nous devons partager. Et ici, nous devons nous organiser. Nous devons être une et indivisible, a dit notre héros national, Mzé Laurent Désiré Kabila. Pourquoi se disputer? Pourquoi? Merci, Maman Safi. Maman Prisco Maniala, votre dernier mot, un petit message à la femme. Très court, hein? Très court, en tout cas, moi j'invite les femmes et principalement les jeunes femmes à s'instruire. L'instruction, l'éducation, c'est la clé qu'il faut pour développer le monde. Et si nous voulons aujourd'hui et demain être sur la scène des décisions, chères femmes, chères jeunes filles, cultivez-vous, cultivons-nous. Gardons un niveau intellectuel élevé, mais aussi battons-nous être demain des poids lourds dans l'économie, des poids lourds au niveau des finances, des poids lourds au niveau scientifique, ainsi que nous, tous les secteurs au fait de la vie, de la nation, de sorte à se rendre utile. Et plus nous serons utiles à la nation, plus nous serons indispensables et de cette façon, nous pourrons atteindre l'égalité et même la parité. Très bien. Maman Léa, ton tout dernier mot. Mon tout dernier mot est que je voudrais dire à la femme congolaise que je crois en elle. Okay. C'est une femme qui a survécu à beaucoup de choses. Et je crois que si elle a pu survivre à tout ce qu'elle a vécu, je pense qu'elle pourrait encore aller beaucoup plus loin. Seulement, elle doit en être consciente et s'est donnée beaucoup plus pour son épanouissement et son évolution. Maman Christelle, mon Aoya Souka. Tout d'abord, moi aussi, il faut Azala Dara. D'abord, on a confiance dans les mots. Et c'est dire que Azala est capable autant que l'homme Yako réaliser la grande chose dans le monde. Et c'est là qui va nous dire Kita Yaba Maman. Merci Nayo Maman, la division dans le monde entier. Merci Nayo, pour comme la cabine, pour encourager. Et toi aussi, femme, tu es à la maison, tu souhaiterais aussi passer, venir discuter. Pendant moi, Mobimbaya Mars, Oyo, la chaîne Bosolo TV est accordée et s'est décidée et promouvoir la femme en cascade. Alors le numéro est juste là devant toi, Benga Biso Leka, Okoloba, Okope Savi, Nayo, Toko abordé sur le sujet, sur le thème national et international. Femme, tu es précieuse. Femme, tu peux tout. Femme, tu es comme Odalokwa Mungwa. Sans toi, la vie est fade. Tu peux tout. Lève-toi, travaille. Et travaillons surtout dans l'unité. Merci à toute l'équipe technique. Et heureux mois de mars à toutes les femmes. Bye bye.